Salut à tous, c'est Didier, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo pour faire sa ration mélangée de deux façons différentes. La plus rapide, c'est celle-ci. Alors vous prenez deux balles de foin. Que vous mettez dans votre mélangeuse. Une petite astuce, vous prenez la botte du bas assez haut, comme ça quand vous baissez au niveau du bord, et comme ça quand vous reculez, tout tombe normalement dedans. Mais là, ça n'a pas tombé dedans ni à côté. Voilà, vous mettez deux balles de foin de... Elles font combien ceux-là? Je ne me rappelle plus. Elles font 8000 litres, alors ça fait 16 000 litres de foin. Et vous mettez deux balles d'ensilage. Et là, vous avez votre ration mélangée. Et vous avez 24 000. Après, vous la donnez à vos vaches ou vous allez la stocker dans les silos qui sont sortis aujourd'hui. Là, comme j'ai déjà fait le plein, je vais aller la stocker. Ici vous videz et de l'autre côté vous chargez. Et ce qui est bien maintenant, c'est que quand vous faites de la ration mélangée, on peut voir ce qu'on a. Voilà, bon, là, par exemple, en foin j'ai 84 000, en ration mélangée 32 000, en paille 26 000. Voilà. Et la deuxième solution. Elle est pas plus longue, mais après il faut pas se tromper, faut être juste juste. Voilà, on prend directement la mélangeuse.
par exemple, où là, par exemple, vous prenez une botte, vous essayez de mettre bien au milieu, vous activez votre mélangeuse. Je ne peux pas approcher plus près pour que vous puissiez voir. Voilà, vous voyez là, il m'a pris 8000. Quand vous arrivez à 16 000, vous arrêtez. Bon, tout du moins, ça s'arrête tout seul. Et ensuite, vous faites pareil avec l'ensilage. C'est un tout petit peu plus long à faire, mais... j'ai ma ration mélangée. Et comme ça, je peux aller la stocker. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, et puis ben moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, ciao!